Arrêtez de me rendre fou là! Mais vous cassez la gueule à tous les trois si ça continue! Mais gros, regarde ce que tu vends! J'en ai marre de vous trois là! Mais c'est quoi? J'ai jamais vu des comme vous! Bande pas les. Ah, t'es un stress! Amenez-moi mes sous! Salut l'équipe, c'est Nicolas, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de mon poteau Solid Mike. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solid Mike. Et de mon poteau Quentin. Si t'es là, c'est que t'aspires. Donc allez vous abonner à leur chaîne, je mettrai le lien en description. Allez leur donner de la force. Donc allez vous abonner à sa chaîne, franchement c'est un bon. Et si vous voulez des conseils musculation pour devenir musclé à ce point. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo assez particulière. On va tout simplement récupérer une moto volée sur le bon coin. Donc je vous explique, il y a un abonné qui nous a contacté et qui nous a dit s'être fait voler sa moto. Sauf que 2-3 semaines plus tard, il a tout simplement retrouvé sa moto en vente sur le bon coin. Donc il nous a contacté et il a demandé si on pouvait tenter de le piéger. Donc ce qu'on a fait, comme on n'était pas vraiment sûr de pouvoir récupérer la moto, c'est qu'on a tout simplement racheté sa moto, comme ça on était sûr de pouvoir en faire ce qu'on en voulait. Donc ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté le voleur, on lui a fixé un rendez-vous et on s'y est tout simplement rendu. Donc je vous en dis pas plus, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes, comme vous le savez. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos et n'hésitez pas à partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Donc voilà, je vous laisse directement avec le moment où on est allé le voir. Bon visionnage. Ah frère ! Oh gros ! Gros, descends de la moto. Descends de la moto, frère. Gros, qu'est-ce que t'as fait déjà? Pourquoi tu de la main. Me touche pas, frère, t'as du sang à la main. Comment ça, serre-moi la main déjà pour commencer. T'es chelou, frère. C'est du sang, je me bagarre souvent, moi, tu sais. T'es sérieux? Eh ouais, ça arrive souvent. Ouais. Tu es venu pour quoi là? Tu es venu pour acheter une moto? Ouais. Ben vas-y, regarde la moto. Mais gros, attends, je sais pas, t'arrives avec du sang en main et tout. C'est rien, ça t'inquiète, ça arrive. Moi, je te dis la vérité, je t'ai vu descendre, tu vois, ça fait une heure, tu me fais attendre. Comment ça, ça fait une heure? Ça fait une heure que t'es là. Moi, j'ai commencé à me faire des films dans ma tête, je me suis dit, va arriver, patate. Hypercute. Ouais, je vais me battre, ouais. Ouais, j'ai l'habitude, ouais. Je suis de Marseille, moi. Ouais, je sais, mais moi, t'as vu, je me suis dit, je vais commencer à l'enchaîner quand il va arriver. Tu vas m'enchaîner? Ouais. À moi? Non, mais. Normal. Non, c'est bon, tranquille, calme-toi. J'ai pas de problème. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Non, je vais pas t'enchaîner comme tu le crois, tu vois. Tu vas enchaîner quoi? Après, j'ai vu le sang et tout, je me suis dit, lui, c'est un ouf dans sa tête. Ah, franchement, désolé, frère, je t'ai manqué de respect et tout. Ça va, c'est rien, t'inquiète. T'es quoi? T'es de Marseille? Ça arrive, on se connaît pas. T'es de Marseille? Ouais, je suis de Marseille. Toi, t'es un fou dans ta tête, non? Ouais, je suis un fou. T'es un dégain, toi, non? Je connais pas, je suis pas de Marseille moi. Ouais ouais ça va. Genre, moi je connais des expressions tu vois. Ouais ouais. Genre toi pour moi, t'es un con de sa mère, je crois. Un con de sa mère? Ah mais je sais pas, j'ai entendu. Non mais quoi, c'est pour dire. Non, tu parles, non, tu fous de ma gueule. Non frère, je te jure que non. Je me fous pas de ma gueule. Ok. Non, c'est pas un con de sa mère, c'est un con de sa grand-mère, je crois. Sa grand-mère? Non, c'est la. Ta grand-mère? Mais non, c'est parce que moi j'ai. Je sais pas très bien écrire, tu vois. C'est pas écrire. Et la dernière fois, il y a un mec qui m'a dit quand de ta grammaire. Ta grammaire. Et moi, je lui dis, c'est pas ma faute, j'ai arrêté l'école en 6ème. Je m'en bats les. Et du coup, toi, je me dis, t'es peut-être un quand de sa grammaire aussi. Ouais, c'est toi ça, tu as pété quand même. Non, c'est bon. Vas-y, je suis là pour la moto, pourquoi on va s'embrouiller? Bon, vas-y, je vais me calmer. C'est bon. Restez professionnel. Il y en a pas partout des motos comme ça. Elles montent à 200, celle-là. 200, elles montent. Facile. Mais frère, elle est un peu abîmée quand même là, non? Si, c'est passé quoi ici? C'est rien ça, t'inquiète, c'est rien. Moi, je veux bien te la prendre après, t'as vu, mais. Je sais pas trop en vrai, faut que je réfléchisse un petit peu. Mais mets-toi dessus, tu vois. Ouais. Franchement, elle est bien. Elle est bien? Mais ouais, il y en a pas partout de motos comme ça. Ouais, c'est quoi comme moto en vrai? Pour moi, je m'y connais pas trop. Ça. Mais elle est d'usine, tu la verras jamais dehors celle-là. C'est une quoi? Une Harley Davidson. C'est une Harley. Tu connais Johnny Hallyday? Ouais. C'est un mec de Marseille, Johnny Hallyday. C'est un. Ah bon? Et ouais, tu connais pas Johnny Hallyday, le chanteur là? C'est pas le mec qui fait. Je suis dans ma rap, y a. Non, c'est pas lui, qu'est-ce que tu dis là? Là, c'est. C'est un vieux chanteur, mais il est de Marseille. Il avait des Harley Davidson comme ça. Ah non, John. Son cousin, tu connais le cousin Johnny Hallyday? Johnny Hallyday, c'est pas le mec qui fait. Ah, qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Nah, et je paye tout avec tu une. Tu prends pour un. Quoi? C'est pas lui? C'est une musique d'internet, ça. Tu as pété un câble, Johnny Hallyday, c'est à l'ancienne. C'est un voyou, Johnny Hallyday. Ah si! Si, c'est pas le mec genre qui allume le feu, genre? Ouais, c'est ça. Allumé. Ah ouais, c'est lui, frère. Allumez le feu, je connais, frère. Je connais, frère. C'est bon. Je me suis emporté. Oh, elle coûte cher, celle-là. Ça arrive. Ça arrive. Désolé, frère, désolé. C'est bon, de toute façon, je te la prends. C'est pas grave, c'est bon. C'est un peu de carrosserie, tu vois. Mais ouais, c'est rien, ça. Franchement, ça, en 2-2, tu le recolles, tranquille. Ouais. Elle est belle. Je mets quoi? Je mets le. Je mets du scotch, genre. Non, tu mets pas du scotch, tu vas au garage, mais je te montrerai un garage pas cher. Il te recolle ça tranquille, il le soude. C'est bon. Oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est bon. Tu l'as arraché? Calme-toi. C'est bon, frère. Oh, putain, calme. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as arraché? Gros, on va pas commencer à se taper et tout. C'est fou. Je vais prendre la moto. C'est fou, quoi? Je vais la prendre. Je vais la prendre, de toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma moto. Comment ça, c'est ta moto? Bah, je vais te l'acheter. Ouais. T'as les sous là pour l'instant? Ok, ouais, mais juste avant, je voulais éclaircir un petit truc avec toi. Vas-y. Toi, tu m'as dit, genre, c'est la moto de Johnny Hallyday. Le cousin de Johnny Hallyday. Ah, le cousin de. Ouais, le cousin.
Elle appartenait à son cousin? Pourquoi elle appartenait à son cousin? Mais c'est marqué où, Harley Davidson? C'est pas marqué, mais j'ai là, il y a écrit BV. Ouais. Numéro de série, là, tu vois. Et quand ça finit comme ça, c'est que c'est à la famille de Johnny Hallyday. Mais il est rayé, le... On dirait que c'est rayé, genre. Ouais, mais c'est rien, ça. C'est, tiens, j'ai la sacoche, des fois. Ouais. Je vais au quartier, je cabre et tout. Ouais. Et quand j'ai la sacoche qui peint, ça fait des petits trucs, là, mais c'est rien, t'inquiète. Tu me garantis que c'est celle du cousin de Johnny Hallyday? Ouais, je te jure, la tête de ma mère, c'est la celle du cousin de Johnny Hallyday. Et genre... Il est pas loin, il a goûté à côté, là. Mais dedans, c'est quoi, le moteur? Ah, c'est un moteur Harley Davidson, hein, bien. Ouais, y a pas moyen de voir le... Non, parce que j'ai tapé la dernière. Genre le moteur. Non, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh gros, elle est pas enfumée ta moto. T'as pété un câble ou quoi? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Passe, c'est bon. Frère, franchement, tu vois l'état là? Ouais, je vois, tu l'as cassé. Ouais. C'est pas moi qui l'ai cassé. Moi, tu l'as explosé la moto. Tu veux pas me faire un prix? T'as pété un plomb ou quoi? Je vais appeler mes collègues. Hein. Pourquoi? Tu vas voir un peu où tu vas finir. Attends, tu as tout cassé là. Bon, Sharpie, frère, poste ce bâton. Ne joue pas au gros. Gros, viens, on va s'arranger. C'est quoi ce mec? On va s'arranger, frère. C'est quoi ce mec? Mais qu'est-ce que t'as fait? On va s'arranger. Tu es malade ou quoi? Mais non, frère. T'as pété un plan? C'est pas moi qui ai fait ça. C'est qui alors? Ta grand-mère? Je voulais voir le moteur. Le moteur, mais il est en dessous, le moteur. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit. T'as arraché la selle, t'as arraché devant. Donne-moi les sous maintenant, donne-moi les sous. Je la prends 8 euros. Comment ça, 8 euros? Mais frère, même sur Wish, c'est un meilleur truc. 8 euros? Ouais. T'as pété un plan ou quoi? C'est la moto de Johnny Hallyday. Tu m'as dit que c'était son cousin. Ouais, mais c'est pareil, c'est la même famille. C'est une moto Hallyday. Je vais m'asseoir comment? Je m'asseoir directement sur le moteur. Tu te débrouilles, c'est qui l'a cassé la moto? Elle était déjà comme ça. J'ai pété un câble. Ah, gros, écoute. Ah, frère, c'est bon. C'est quoi ce mec? C'est quoi? Je te propose un truc. Vas-y, bouge-toi parce que je vais péter un plan dans pas longtemps. Hein. Moi, le problème, tu vois, c'est que déjà, il n'y a pas les papiers, tu m'as dit. Ouais, mais les papiers, c'est pas grave, tu vas au garage, je les refais, t'inquiète. C'est bizarre un peu comme plan. Bonjour. Comment ça, c'est bizarre? La moto, c'est elle. Comment c'est la moto de cousin Johnny Hallyday? Mais comment tu l'as eu cette moto? Ah, c'est son cousin, moi je le connais, il habite à Marseille. Tu l'as volé la moto ou pas? Non, je l'ai pas volé, t'es fou, je me l'ai donné son cousin, je le connais. Ouais? Je connais son fils, je connais sa fille, je connais tout le monde dans la famille. Et genre, toi tu connais. À chaque fois, c'est moi, je revends leur moto. Ouais? Tu vois pas comme elle est belle? T'as vu des motos comme ça déjà? Fais l'arrière comme il est. Je sais pas, frère. On dirait une guêpe, une guitare. La guitare de Johnny Hallyday. Frère, 1500 euros, vas-y de suite là. Et on fait comment s'il n'y a pas les sous? Comment ça, on fait comment? Bah, c'est bon, c'est quoi? Calme-toi. Deux secondes, tranquille. Moi, je suis calme, mais toi, tu commences à me rendre fou là. Je vais juste l'essayer. Vas-y, essaye. Je peux juste l'essayer? Vas-y, essaye là. C'est bon, frère, tranquille, gros, calme-toi. Mais c'est quoi ça? Calme-toi, frère. Oh, c'est bon. Calme-toi, c'est bon, lâchez-le, c'est bon. Viens, frère. On va se calmer. D'accord? Ça va, tranquille? Vous êtes qui, vous là? Oh, gros. C'est quoi le délire là? Vu ce que tu as fait? Ah, le réservoir il est tombé et tout. Gros, elle part en charpie. Le réservoir il est décapotable. On fait quoi, moi? Tous les trois, je m'en bats les. Défoncé ou quoi? Moi je suis défoncé alors. Tu vas faire quoi quand je te mets trois? Je vais tous les trois moi. Je vais dans la voiture, j'ai la mitraillette. T'es en train de faire quoi là? T'es en train d'essayer de m'arracher la sacoche? Ouais, c'est quoi? Pour faire quoi? Passe-moi les sous maintenant. J'ai pas les sous. Comment ça t'as pas les sous? On fait comment si j'ai pas les sous? Mais tu es venu pour quoi alors? Eh, je suis venu pour me foutre un peu de ta gueule. Tu es venu pour quoi? Attends, on va la redresser là. Je suis venu pour me foutre un peu de ta gueule. Regarde la moto que tu vends, frère. Elle est magnifique la moto, ouais. C'est une qualité, y'en a pas deux comme ça. La qualité. Oh, tu tiens quoi dans la tête? T'avais un problème, j'ai l'impression. Moi j'ai plutôt l'impression d'essayer de me racketter un petit peu. Te racketter de quoi? Je sais pas, t'étais un peu bizarre, genre tu voulais vite me vendre la moto, tu vois. Elle est bizarre. Pas pour un... Tu m'accuses de la casser. Ils sont où les papiers là? Là je veux les sous. Les papiers sont là, où? Les papiers, t'inquiète, on va s'arranger après. Comment ça, on va s'arranger? T'inquiète, on va aller au garage. Tranquille. Oh, vas-y, envoie les sous, j'ai pas le temps. Comment ça, envoie les sous? J'ai pas les sous. Comment ça, t'as pas les sous? Oh, putain, ne touche pas comme ça. C'est bon, gros, calme-toi. Bon, tu vas rien ok? Tu vas rien faire du tout. Vous allez voir ce que je vais faire. Tu viens pour acheter une moto, attends, on reprend les choses à zéro là. Vas-y, viens, on reprend les choses à zéro. Une moto. Ouais, ça c'est une moto ça? Tu casses quoi? Tu casses ça? C'est la moto du cousin de Johnny Hallyday en plus, je te raconte dans ta tête. Mais quel cousin de Johnny Hallyday, frère? Vous êtes trois, vous devez être 10 000, je m'en bats les couilles d'aller me donner les sous maintenant. Et si on donne pas les sous, tu vas faire quoi concrètement? Ah, ben je vais revenir dans 5 minutes. Ouais. Vous allez rester là. Ouais. Je vais vous mettre une balle chacun. Le seul calibre que t'as, c'est un 9 mm, gros. Fais le malin, toi. C'est bon, reste tranquille, c'est bon, reste tranquille, frère. Alors arrête de faire le fou comme ça. T'es là, t'essayes d'arnaquer des gens en vendant des motos comme ça. J'arnaque des gueules, moi. Gros. Je te dis le prix, t'as dit oui. Tu as vu les photos? Tu mérites d'être enfermé. Enfermé où? En prison. Moi j'ai une moto de Johnny Hallyday, hein. C'est quoi vous là? Il mettait un câble. Je sais pas ce qu'il a pris, mais alors, attends, il prend en poudre, frère. Ah, c'est le genre de mec qui l'arrache à des mamies, ça. Ouais. Des mamies de quoi? Là, tu voles des sacs, non? Un câble, quoi. En feu rouge, là, tu rentres dans les voitures. Ouais, quand j'étais petit, je le faisais, mais je suis plus petit maintenant. On commence à me casser les.
tous les trois. Arrêtez de me rendre fou là. Mais je vais casser la gueule à tous les trois si ça continue. Mais gros, regarde ce que tu vends. J'en ai marre de vous trois là. Mais c'est quoi? J'ai jamais vu des comme vous. Vous avez pété un câble. Mais tu crois qu'on envoie souvent des comme toi? Je m'en bats les. Oh, t'es un spécimen. Donne-moi mes sous. T'es un spécimen, frère. Donne les sous. La moto de Johnny Hallyday, il m'a dit. Ouais. Arrêtez de répéter ça là. C'est la moto de Johnny Hallyday. C'est tout, c'est comme ça. Maintenant, donnez-moi les sous. Je m'en bats les. On fait comment si on n'a pas les sous? Envoie les sous. On fait comment si on n'a pas les sous? Envoie les sous, sinon tu restes ici, tu pars plus. Tous les trois, vous partez plus. Regardez bien. Pourquoi? Regardez bien. Le comment soleil, il est là. Il est fou, celui-là. Je ne verrai pas demain le soleil. Je ne verrai pas le soleil, vous avez compris? Arrêtez de foutre de ma gueule. Vous êtes rentré chez vous ce soir? Ouais. Allez manger et tout avec maman, papa. Mais nous, si tu veux, après on va au McDo. On va au McDo? Comment au McDo? Je mange pas au McDo, moi. Avec les sous qu'on a gardés. Allez, tiens, les sous. Oh, y'a les sous. Ah, il est là, les sous. C'est bon frère, c'est bon, c'est bon. Donne-moi les sous, elle est morte, calme-toi. Donne-moi les sous là. Calme-toi. Vous faites péter les câbles là. Donne-moi les sous, je rigole pas. T'es un phénomène frère, c'est bon, fais attention. Tu vas te faire mal. Donne-moi les sous. Tu veux, on fait un truc. T'as les sous, tu me les donnes dans la main. Moi, t'as vu, j'ai comme des billets de 50. Ouais. Si tu veux, je te passe 50. On va genre dans les buissons là-bas, tu vois. Comment ça, dans les buissons, on est bien là? Et non, mais on sera encore mieux là-bas. Bon, on sera bien. Vous rigolez, vous. Là, on est bien, mais là, on sera bien, tu vois. Comment ça, on va être bien? Tu les as, les sous, donne-moi les. Qu'est-ce que tu parles de buissons? Qu'est-ce que tu veux que j'ai foutre dans les buissons? Mais j'ai pas les sous. Comment ça, j'ai pas les sous? Tu les as vu à 2 secondes. C'est lui qui les a, c'est lui qui les a. Mais non, donnez-moi les sous là. Vous êtes fou là. Donne-moi les sous. Attends. Je ne plus là. Je vais vous casser la gueule à tous les trois. En même temps. Demain, vous allez pas rentrer chez vous. M'en bats les. Regarde. Qu'est-ce que vous faites là? Je veux mes sous là. Qu'est-ce qu'il fait lui là? C'est bon frère. Je m'occupe de la moto, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. À la 1, 2. À la 2.